Bonjour et bienvenue sur le petit aérodrome d'Andernos. En France, des terrains comme ça, des terrains d'aviation comme ça, en herbe, eh ben, il y en a à peu près un demi-millier. C'est une des beautés de ce pays. Ici, Andernos, c'est sur le nord du bassin d'Arcachon, c'est à proximité immédiate de l'océan. Et évidemment, c'est en Aquitaine. Pour accompagner la commémoration du centenaire de l'aviation en Aquitaine, 1910-2010, nous avons choisi de vous présenter un avion symbole. Un avion qui, malgré sa rusticité, sa simplicité, voire même son dénuement, est quand même une des légendes incontournables de l'histoire de la maîtrise du ciel. Sa Majesté, le Piper Cub. Celui-ci est un rarissime modèle J2 datant de 1937. Le Piper Cub est un avion mythique, pourquoi? Parce que c'est un avion qui fait la transition, la charnière, entre les avions des tout premiers temps, les avions des pionniers et l'aviation d'aujourd'hui. Surtout sur un plan fondamental, le pilotage. Celui qui sait correctement piloter un Piper Cub saura voler sur n'importe quoi tout aussi correctement. Pour quelle raison? Parce que cet avion, non seulement il apprend les gestes du pilotage, mais surtout il donne le sens de l'air. Et le sens de l'air en aviation, c'est absolument fondamental. Durant les trois premières décennies du XXe siècle, c'est-à-dire le début de l'histoire de l'aviation, le pilotage, comme les avions d'alors, était un art en pleine gestation. Nous allons donc nous rendre vers le nord, près de Paris, et nous allons rendre visite à ceux qui sont les gardiens du temple, les explorateurs de ces 30 années où l'aviation a débuté. Certains jours, lorsque l'air est calme et le ciel tranquille, les oiseaux chantent plus fort, et cet endroit hors du temps sort d'une sorte de léthargie paisible pour renaître à la vie. Le plateau de Cerny domine la plaine de l'Essonne au sud de Paris et plus particulièrement la petite ville de La Ferté-Alais. Malgré les apparences, cet endroit est un repère. Le repère d'une véritable bande de personnages, pas toujours facile à vivre, et le chef de cette bande est un grand bonhomme qui est considéré dans le monde entier comme l'un des plus brillants archéologues de l'aventure du ciel. Jean Salis est l'Indiana Jones de l'aviation des premiers âges. La bande de La Ferté-Alais vit dans une sorte de village dont l'un des pôles est une taverne qui est bien plus qu'un simple restaurant, ne serait-ce que parce que trop de souvenirs d'aviateurs partis vers le plus haut ciel sont accrochés au mur. L'exploration du passé en matière d'aviation est une passion dévoreuse. Mais ceux qui s'y abandonnent savent ce qu'il peut en coûter. C'est leur droit et leur noblesse. Cette aviation-là n'est pas faite pour les tièdes. Le cœur du village bat dans un groupe de vieux hangars où les visiteurs, montés depuis la plaine et le monde contemporain, viennent contempler et apprendre ce qui est la vraie histoire de l'aviation. Dans les hangars sont entassés une centaine d'avions venus des temps anciens. Tous ont été reconstruits méticuleusement avec l'obsession du respect de l'histoire et de la vérité. Ces vieux avions sont de vrais trésors. Ce n'est pas un musée, plutôt un conservatoire, car le fonctionnement de la bande à Salis implique que soient réinventés tous les savoir-faire développés depuis un siècle que l'on vole et dont beaucoup ont été oubliés parce que devenus inutiles. Qu'est-ce que j'avais pas? Oui, un tempé-cylindre. Mais ça sert à rien, une tempé-cylindre. Là, tu vas plus voler avec l'avion si tu regardes les tempêtes. La technologie, en avançant, se débarrasse de ce qu'elle n'utilise plus. Alors entrent en scène les archéologues. D'abord, ils sont des historiens, puis ils deviennent des techniciens, des mécaniciens, qui s'enfoncent dans un univers de plus en plus compliqué. Ils redécouvrent, cherchent, réinventent, jusqu'à ce qu'une épave d'avion, un beau jour, redevienne une création, une créature plutôt, dotée de vie. Et finalement, dans l'aventure des archéologues du ciel, il ne reste plus qu'à aller au bout du voyage des Indiana Jones. On redevient aviateur, pilote aviateur à l'ancienne, et ce n'est pas le plus facile.
car ces vieux avions, contrairement aux avions d'aujourd'hui devenus bien dociles, exigent une maîtrise complète de ce qu'on appelle l'art du pilotage. Autrefois, jusque dans les années 40, la structure des avions était en bois. Sur le squelette en bois de l'avion était tendue de la toile de coton ou de lin. Il y avait un peu de métal de-ci, de-là, des pièces mécaniques, le tableau de bord, mais l'avion lui-même était plutôt construit comme un cerf-volant. Si Stradivarius était né au début du XXe siècle, il aurait probablement construit des avions plutôt que des violons. Plus on recule vers le passé, plus ces machines volantes s'apparentent à des œuvres d'art. Ceci est le seul Morane type H existant au monde. Il est en tout point identique à celui avec lequel Roland Garros, qui n'était pas un tennisman mais un aviateur, avait au début des années 1910 traversé le premier la mer Méditerranée. Tous les grands chapitres de l'histoire de l'aviation sont reparcourus ici, du moins tant que les avions ont volé derrière des hélices. Les avions à hélices sont l'équivalent aérien des bateaux à voile, complexes, mécaniquement cauchemardesques, imparfaits à l'extrême mais totalement romantiques. De plus, ces avions-là ont écrit l'histoire du XXe siècle et pas seulement l'histoire de l'aviation. Si chacun des avions de collection existant au monde pouvait écrire sa propre aventure, et surtout l'aventure de ceux qui l'ont construit puis piloté, on aurait un fantastique trésor littéraire. Qui se souvient aujourd'hui que ces monstres absolus qu'étaient les avions de combat de la Deuxième Guerre mondiale, comme ce corsaire de la marine américaine, étaient principalement assemblés par des femmes ? Car les hommes, eux, faisaient la guerre. Mais ce qui fait de la Ferté-Alais un conservatoire unique, c'est l'amour que porte le chef de la bande aux avions des tout débuts, entre 1905 et 1920. Celui-ci, bon, c'est toute une histoire, parce que là encore, c'est quand même l'influence de mon père qui m'a incité à construire cet avion. Alors le Colon G3, là aussi, c'est quand même... Ça a été construit par des gens qui étaient des spécialistes du bois, puisque c'est quand même un assemblage de cordes à piano et de morceaux de bois. C'est du charronnage allégé, en quelque sorte. C'est un avion qui a une grande envergure, qui ne vole pas très vite. Ça fait un petit 100 km à l'heure, mais ça fait 14,50 m d'envergure. Et de ce fait, il faut être musclé. C'est avec un Caudron G3 comme celui-là que fut réussie la première traversée de la cordillère des Andes. Le pilote était une toute jeune femme de 48 kilos, une Française, Adrienne Bolland. Et ce Caudron a été habillé de toile par Catherine, qui est l'une des trois ou quatre meilleures habilleuses d'avion au monde. Mon avion préféré, c'est les Caudrons G3. Qu'on les vole comme un papillon. Quand il vole, dit Catherine, c'est comme un papillon. Faire voler ce G3 est une vraie aventure. L'avion est lourd aux commandes et très inquiétant pour le pilote, surtout lorsqu'on veut virer. Un pilote moderne saurait sans doute le faire décoller, mais une fois en l'air, l'urgence pour lui serait de se reposer au plus vite. C'est là que l'archéologue volant devient Indiana Jones. En avoir ou pas, disait Hemingway. Et on repense aussitôt à Adrienne Bolland, toute seule, avec ses 48 kilos, à 5000 mètres d'altitude, au-dessus de la cordillère des Andes, dans la turbulence.
Mais sur le plateau des archéologues, il y a encore plus ancien, encore plus vénérable que le Caudron G3. Alors ça, c'est le Blériot 11-2, c'est-à-dire le Blériot biplace. Et celui-ci en particulier, c'est l'avion de Pégou. C'est l'avion qui avait été modifié, renforcé pour pouvoir voler sur le dos. C'était les premiers vols que l'on en dirait acrobatiques. En 1909, Louis Blériot traversa la Manche pour la première fois et ce vol constitue l'un des trois grands piliers de l'aventure du ciel, avec l'Atlantique Nord de Lindbergh en 1927 et la Lune d'Apollo 11 en 1969. Le Blériot 11, qui ressemble à un cerf-volant, était pourtant un avion extrêmement bien pensé, conçu et construit. Il avait tout juste en matière d'architecture aéronautique. Il était souple mais solide, léger mais fiable, pilotable, presque comme une machine moderne. Finalement, le Blériot 11 fut le père de tous les avions. Blériot 11 approcha la perfection de tellement près qu'il fut copié par presque tous les avionneurs des années 1910. Par exemple, l'Américain Clyde Cessna, dont l'entreprise existe encore, et qui a construit plus de 300 000 avions légers depuis les années 1910. Allez, allons voler en Blériot 11. N'attachez pas votre ceinture, il n'y en a pas. Mais fermez bien votre blouson, serrez votre casque et assurez vos lunettes. Voilà ce qu'était l'aviation en 1910. Voilà ce qu'étaient les aviateurs en 1910. C'était hier et pourtant, c'est si loin. Voler était tout simplement un miracle et les aviateurs étaient tout simplement des héros. Plus simple que le Piper Cub, c'est difficile, mais ça, c'est la simplicité du génie. D'abord, une aile vraiment basique, mais une aile qui fait merveilleusement bien ce pour quoi elle est faite, c'est-à-dire faire voler l'avion. Sa structure est en bois, c'est du bois collé, recouvert ensuite d'un entoilage. C'est de la toile de coton, de lin ou aujourd'hui du Dacron. Un fuselage qui est un treillis de tubes métalliques d'acier qui sont soudés et qui, quoique étant très légère, cette structure,
est en même temps d'une solidité phénoménale, un peu comme le pont de Tancarville. Lui aussi, le fuselage, il est entoilé. Et puis, ce qui sert à faire évoluer l'avion dans le ciel, les gouvernes, comme les ailerons, par exemple. Les gouvernes sont aussi des structures extrêmement simples, légères et solides, et elles sont actionnées, commandées par des câbles métalliques qui relient les surfaces mobiles aux commandes à l'intérieur du cockpit. C'est comme ça qu'on guidait les avions de l'époque héroïque, les avions des tout débuts, extrêmement légers, des créatures qui pesaient presque pas dans la main des pilotes. Avec le temps, dans les années 40, on s'est mis à faire des avions qui étaient de plus en plus lourds, de plus en plus rapides, et la force musculaire du pilote sur les commandes, là, ici, il suffit de deux doigts pour faire bouger une gouverne, la force musculaire du pilote ne suffisait plus. Donc, on a mis une assistance hydraulique, on a mis des muscles artificiels. Et puis, le temps a encore passé, et dans les années 60, l'ordinateur est arrivé. Et là, on est entré dans une nouvelle ère, celle de l'avion quasiment bionique. Au début, il fallait juste voler et c'était déjà bien compliqué. L'homme, qui ne savait pas encore piloter, était le cerveau de la machine qu'il guidait plus ou moins bien par un système de leviers et de poulies. Les mains sur les commandes, les yeux sur l'horizon et la trouille au ventre, l'homme devenait oiseau. 25 ans plus tard, l'homme oiseau pensait en savoir assez pour imaginer transporter ses congénères autour du monde. Le Dornier DOX inaugura le concept du gros porteur avec ses 12 moteurs, ses 120 places assises et son autonomie presque transatlantique. C'était un navire volant, mais il était trop en avance sur l'horaire technologique. Pas assez puissant, trop compliqué, le DOX était en particulier piloté par des barres à bras. Et ces moteurs fragiles étaient en théorie réparables en plein vol, les mécaniciens circulant à quatre pattes à l'intérieur de l'aile pour accéder au propulseur. Le DOX était sublime et d'un romantisme puissant, mais il disparut discrètement, n'ayant rien réussi de ce qu'on attendait de lui. 40 ans plus tard, le ciel était parcouru de gros porteurs géants. Le Boeing 747 changea la vie des hommes en cassant le prix du transport aérien. Techniquement, le 747 et ses contemporains marquaient l'aboutissement d'un demi-siècle de pratique aéronautique. Son aérodynamique, par exemple, fut tellement réussi qu'il a été difficile de faire beaucoup mieux depuis ce dessin qui date de 1963. On est ici en présence d'une œuvre géniale. Les avions des années 60-70 sont peu automatisés, peu informatisés. Ce sont des avions dans lesquels l'homme est en contact mécanique avec l'environnement du vol, en particulier dans le domaine du pilotage. Ce sont de gros avions, et comme on trouve des directions assistées sur certaines autos, on trouve des commandes de vol assistées hydrauliquement. Le pilote, en jouant de ses commandes, actionne une petite armée de pompes, de tiroirs, de fluides sous pression circulant dans des centaines de mètres de tuyaux. Le système est farci de renvois, de biellettes, de ressorts restituant des sensations artificielles, de vis sans fin, avant d'aboutir enfin aux gouvernes aérodynamiques qui permettent de guider l'avion. Dans les années 70, on était arrivé au bout de cette technique, efficace et fiable, mais lourde. Les oiseaux volent par nature. Ils sont programmés pour, et en jargon d'ingénieur, on peut même dire qu'ils sont câblés pour voler. La nature a toujours inspiré l'homme dans son désir de mieux voler. Donc, dans les années 80, Airbus Industries se lança en premier sur la voie d'une aviation cybernétique lourde, avec ses A320, A330 et A340. L'idée peut se résumer ainsi. Concevoir l'avion autour d'une architecture informatique évoquant le système neurosensoriel des êtres vivants, en particulier les oiseaux. L'idée est de donner aux équipages des avions programmés et câblés pour voler à travers divers ensembles, dont celui des commandes de vol électriques. Plutôt que de relier le pilote aux gouvernes par une musculature hydraulique puissante mais pesante, on va relier le pilote aux gouvernes par un réseau électronique léger, simple et fiable.
Du coup, on va se dispenser des commandes traditionnelles et piloter l'avion à travers un mini-manche plutôt qu'à travers des volants lourds et encombrants. On va passer du pilotage par geste au pilotage par pression. Bill Wainwright est chef pilote d'essai d'Airbus Industries. À bord de cet A320, il va faire ce qu'il ne faut jamais faire avec un avion, en particulier un avion de ligne plein de passagers, ralentir et augmenter l'incidence jusqu'au décrochage, c'est-à-dire la perte de portance, autrement dit, quand l'avion tombe. Et l'avion ne tombe pas, car il refuse de décrocher. Il refuse de décrocher car, comme un oiseau, il est programmé pour voler. Ce savoir inné est contenu dans le cerveau informatique de l'avion. Un ensemble d'ordinateurs subdivisés en sous-ensembles qui s'auto-contrôlent les uns les autres pour assurer la sécurité. Oui, mais tout cela marche à l'électricité. Et s'il y a une panne de courant ? La panne de courant totale est improbable parce qu'il y a 6 sources électriques différentes sur l'avion. Donc, son système neurosensoriel offre une sécurité statistiquement parfaite, ce qui ne déplaît pas aux gens qui passent le plus de temps dans les avions, c'est-à-dire les équipages. Wainwright affirme qu'en plus, ces avions guidés du bout des doigts sont délicieux à piloter, ce qui est vrai. Cette révolution s'est achevée depuis que Boeing, lui aussi, est venu à l'avion de ligne cybernétique. Et les choses vont rester en l'état pour au moins 30 ans, avec les A320, 330, 340 et les 777. Mais les oiseaux ont encore un peu d'avance. ⁇ 2010 sera donc l'année du centenaire de l'aviation en Aquitaine, une année marquée par une trentaine de manifestations, toutes très différentes les unes des autres. Et le Piper Cub sera bien entendu à la fête. Tous les aficionados européens de cet avion, et ils sont nombreux, ont pris l'habitude tous les ans de se rassembler durant l'été sur un aérodrome pour y faire la fête ensemble pendant 2 ou 3 jours. Et bien cette année, fin juin, sur l'aérodrome d'Arcachon-Ville-Marie, ce sera le rassemblement 2010 du Piper Club de France avec une cinquantaine de machines comme celle-ci qui seront venues des 4 coins d'Europe. Mais le Cub sera aussi le sujet d'un chantier exceptionnel. Tous les jeunes gens et jeunes filles scolarisés dans la région et qui voudront participer à ce programme pourront fabriquer des petits bouts, des petits morceaux d'un avion comme celui-ci. Tout cela sera assemblé sous la surveillance, bien sûr, de gens qui savent faire. Et au bilan, en 2011, lors du prochain Salon du Bourget, un Piper Cub comme celui-là participera au Salon du Bourget en vol. Après le salon, l'avion reviendra ici, en Aquitaine, et deviendra un outil pédagogique qui sera mis à disposition des établissements scolaires et des étudiants, de manière à ce qu'ils puissent recevoir une initiation à l'avion. Qu'est-ce que c'est qu'un avion? Comment c'est fichu? Et d'autre part, une initiation au pilotage. Pour terminer, 2 bouquins, écrits et édités en France et en français, consacrés au Piper et en particulier au Piper Cub. Écrits tous les deux par des aficionados absolus de cet avion. Tout d'abord, les avions Piper, encyclopédie pratique, signée de Marc Rangeon. Marc est un ancien pilote de l'aéronaval qui volait sur porte-avions. Et ensuite, il est devenu constructeur d'avions et de planeurs. Et maintenant, il habite en Dernos. Et donc, il a écrit ce magnifique bouquin dans lequel toute la généalogie des avions Piper est passée en revue. Et cette généalogie commence bien évidemment par le Cub. Et le Cub, le Piper Cub, l'avion passion, eh bien c'est le thème de cette monographie écrite par André Bréhand, qui est lui-même pilote bien sûr, mais aussi ingénieur aéronautique de très haut niveau. Et André adore tellement le Cub qu'il en a fait véritablement une dissection dans ce bouquin. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve dans un mois exactement pour une nouvelle édition de ce Pégase Nouvelle Formule. Attendez les beaux jours comme aujourd'hui pour voler. C'est là que c'est vraiment délicieux. Mais si vous volez, volez prudemment.